darling. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai rendez-vous juste à côté, je suis à l'avance, et puis je voulais savoir si t'étais bien rentré, parce que tu as tellement bu. Et, tu me fais un café? Non, là je suis avec quelqu'un. Qui ça? Le grand musclé? Non, le petit minou. Celui qui dansait tout le temps le matin. Oh, le beau cul? Voilà. Il n'est pas trop jeune pour toi? Quel âge a-t-il? T'es vraiment trop curieux. Please, tell me more. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce qui est important. Eh ben, je crois qu'il s'appelle Nicolas. Si ma mémoire est bonne. Who cares? J'ai dit les choses importantes. J'attribuerais une très bonne note globale. Excellente performance technique et mention spéciale pour la souplesse. Hello, gorgeous. Salut. Bon, tu dois partir. What? Hey! Ta mémoire est bonne, je m'appelle bien Nicolas. Enchanté. Moi, c'est François. Je sais. T'as un peu de temps? Je fais du café. Ah oui, pourquoi pas? Bon, en général, les mecs, ils baissent et puis ils se cassent. Oui, mais là, j'ai vachement faim. Bon. Là, c'est pratiquement prêt. Tu arrives. Tu déménages? Dans 2 semaines. C'est sympa pour toi. Parfois, on a besoin de changer. C'est la crise de la quarantaine. Tu vas pas comprendre. C'est marrant, je t'avais jamais vu aux soirées disco avant. Bon, c'est plus trop de mon âge, hein. Dis pas ça. J'aimerais bien vieillir comme toi. Tu fais carrément pas ton âge, tu fais 35, 36 maxi. T'es juste un peu dégarni, mais j'aime bien. Le café. Abba. Anita. Dalida, tu crois qu'elle est vraiment morte? Elle sort un album tous les ans. Gloria, Donna, Diana, tiens, Michael Jackson. Il était vraiment noir avant. T'es con. Tu devrais virer tout ça et le mettre sur MP3. Tu sais, il y avait une époque où on écoutait que des vinyles. Oh, je sais, j'ai eu un manche-disque quand j'étais petit. Il y avait une époque où le disco était une façon d'être, un mode de vie. Une philosophie. Il y avait une époque où je faisais toujours des soirées disco ici. La toute première fois, c'était pour un réveillon, il y a un certain nombre d'années. J'avais invité tous mes amis. C'était ma bande. On sortait ensemble. On était inséparables. On faisait plein de projets. La meilleure façon de commencer une année, c'est de s'entourer de ceux qu'on aime. Hein? Il y avait Bertrand et Dominique. Yvonne. Marinou. Il y avait Pupus, Brigitte, Martine, ah, il y avait Eric et Étienne. Mais c'était une soirée déguisée? Ben non, c'était 79. Quelles sont vos résolutions disco? Quelles sont vos
sors enfin du placard. Telle est ma résolution. Attends, c'était ça vos préoccupations à l'époque? C'est pathétique. Mais tu crois que c'était facile? Et toi, c'était quoi ta résolution cette année-là? Tomber amoureux, comme tout le monde, hein? Depuis que j'entends parler de la fameuse traite des blanches, je veux me faire kidnapper par un sultan du dimanche. À 20 ans, tout est permis, le futur est devant nous. Et je sais que dans la vie, aucun rêve n'est trop fou. S'il a bien vieilli, je veux bien son numéro de téléphone. Il est mort. Je suis désolé. Excuse-moi. Et maintenant, concours de l'Imbalès. Et lui aussi, il est mort. Et lui, ça. C'est mon ami Bamakar. Il s'occupe d'un centre en Afrique maintenant. Disco, quels sont vos vœux pour l'année disco?